suis vivant. Vivant. Fatigué. Vivant. Fatigué. Vivant. Idepes. Vivant. Vivant. Fatigué chef de l'État. Olivier Tao, quand ici, bro. Bravo. Bon, 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 pouvoir aujourd'hui n'a pas si pas mouton, je vais essayer la nuit, quoi. Ma bonne place, nous sommes dans un temps où la moitié n'a pas d'info. Dans un lobby, ça va tout faire. C'est nos conditions. Essayer les moutons remplir pour remplacer Félix. Il s'est dit l'ombre. Bonne été. Il y a les bossons, essayer les tatans à un coup. Dans le lobby, ma belle. Ma papa, ma tebela, ma koufa, papa, y'a qui que moi, la ne va gagner dans ce pays. Bon, été. Aïe, qui que moi, la zé condamné dans ce pays, y'a moi, la koufa. Mais tu sais que la koufa, la malaria, te. A koufa, pe la sida, te. A koufa, pour l'intérêt, peuple, ko. Sauf que l'ignorance va pouvoir référer, tu sais que le Seigneur, il peut, papa, la zé la nini. Il dépasse, vivant. Vivant. Nous, on s'en tenait, toloba. Ah, Moïse, à l'obinaï. Maintenant, on va y aller, Sabino Boye. 2020, qui vivra? Vivra. C'est dans l'ensemble qu'on fouette. Oh, où me l'a comme un anneau le 4 janvier? Bon, on va y aller, qui est Félix, tu sais que tu l'as? Tu l'as, moi. Bomba, bomba. Mame. Bomba, bomba. Mame. Tala. Félix, c'est le 4e président. 5e président. 4e président. 5e président, c'est Moussa Pinanga Oyo. Bon, moi, je suis allé entre Moussa Pinanga et 4e président. Et 4e président, Moula. Il dépasse, vivant. Vivant. Mais Félix, tu sais qu'il y a aussi la 10 ans, tu A quoi ça la plus, il y a 10 ans. Bon, tu es. Oui. Tu es à la mer, mais. Il y a quoi interpréter article 70, même au salaire en 2016. Bon, oui. Le chef de l'État reste en faux. En fonction. Jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Ton salaire moi après 10 ans. Bon, oui. Fatine le chef de l'État. Bon, ton salaire est capot. Président Gistan Toyakinanou. Bon, Parlement debout n'a bien de la reconnu la coordination. Bon été. Oui. Pour toi, bah, qui n'a qu'à ma tête, et ça n'y vient pas parlement debout. Ceux qui m'ont fait le baillet au bout qui m'ont fait le baillet au parlement. Bon été. Oui. Y'a moi le baillet qui n'a nous. Va investir bino. Bon été. Oui. Mouton quoi ça bino tête, t'as la poule. T'as la poule. Ah, la main de Balongolie. Bah, sanctionner l'Union européenne. Est-ce qu'elle a vu que grâce à Joseph Kabila, elle a vu grâce au Félix, Félix, tu sais que tu l'as. A Bengue, écoute, tu peux-tu Jésus. Elle a vu Félix, tu sais qu'elle est venu Jésus. Il dépasse, vivant. Jésus ou Jésus était, il est le chef de l'eau. Bomba, bomba. Ok, la bomba. Au moins, il y a un navire de guerre, il y a un belge, il y a un commando belge. Otali paquet na yoko la nzoto no mobimba. Oke na est un pays. Okuta ni na ba militaire ba ba na ba africom. Des militaires américains. Oye l'aéroport Angil. Li bumundu na ba commandant spécial américain. Qui vivra? Oko ki me la wo? Fati chef de le. Fati be. Aboué. Vivant. Il est pas vivant. Par le mal de Boumango. Vivant, 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 Tshisekedi, héros national, Félix, chef de l'État, Bertrand, Bertrand, Président, Pico Rouge. Maman, on va aller. Avec tout honneur, ton ami côté l'Emsa, Président Gustave, pour la continuité à cérémonie de la Bissot. Président Gustave, vous avez la parole. Merci beaucoup. Il dépense viva. Viva. Tous à la ka na slogan moko. Oyo et révolutionnaire kabiso ba parlementaire debout. Bandeko ba yebi ango déjà ba ko répondre ensemble nangai. Le parlement debout. Le parlement debout. Le parlement debout. Zongi ça rien qu'elle de peste. 2023. 2028. 2033. 2038.
50. Rien que l'île de Presse. 2100. Rien que l'île de Presse. Rien que l'île de Presse. Rien que l'île de Presse. 2200. Rien que l'île de Presse. 2300. Rien que l'île de Presse. Si y'a son causon là. Rien que l'île de Presse. Rien que l'île de Presse. Rien que l'île de Presse. Voilà. Oyo Ezali. Slogan moko to betaka pona koyebisa na batu ke le président de la République peut avoir sa coalition, il peut avoir ses partenaires, mais nous les parlementaires debout, nous ne voyons que leader. Quel que soit, je dirais, les arrangements pris avec ses collaborateurs ou ses partenaires, ses alliés. Mais en 2023, les parlementaires debout ne vont voter que l'UDPS. C'est-à-dire le candidat président qui sera issu de l'UDPS. Permettez-moi peut-être à cause d'un peu bilingue parce que c'est une cérémonie officielle. Je suis ici en séjour, pas en qualité du président du Parlement de Boutiangou, mais je suis ici en qualité de secrétaire et de secrétaire général du collectif de Parlement debout et aussi en qualité du secrétaire exécutif national, le chef de département de la sensibilisation, recrutement et conscientisation au niveau de la Ligue du Parti. C'est une cérémonie officielle. Je demanderai aux parlementaires debout de garder la discipline. Il ne peut se vivre. Vivre! Ma présence ici certifie et justifie l'existence de ce Parlement debout. Vous savez, il y a une logique, comme venait de le dire mon collègue président Moïse, que si vous n'êtes pas affilié au collectif du Parlement debout, vous risquerez de rater beaucoup de choses et beaucoup d'informations. Vous ne serez pas tellement considéré. Partant de la logique des statuts de l'UDPS, le Parlement debout, certes un mouvement informel, mais politiquement rattaché au statut du parti en vertu de l'article 50 de nos statuts qui donne la possibilité, n'est-ce pas, à la Ligue des jeunes de rassembler tous les différents mouvements. C'est ainsi que nous, au sein du collectif des parlements debout, nous sommes décidés de prendre l'engagement ferme d'accompagner et de rassembler tous les parlements debout afin qu'aucun combattant ne puisse rater son bénéfice. C'est comme dit la Bible en Habacuc que j'étais à mon poste, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes au poste et que le poste n'est pas considéré, vous n'aurez jamais un salaire, vrai ou faux? Aujourd'hui, notre Parlement debout, Matete, est béni. Je ne sais pas, Parlement debout, Matete, Mongo, voilà. Notre Parlement debout, Matete, Mongo, est béni. Et c'est aujourd'hui, officiellement, qu'il sera installé et reconnu dans notre structure du collectif des Parlements debout. Il ne peut se vivre. Vivre!
Je le répète encore que je suis le secrétaire général du collectif des parlements debout. Depuis que cette structure a été créée par lui-même, le feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba, motivé par le secrétaire général de l'UDPS, cette fois-là, Jean-Marc Kabounde à Kabounde, et cette structure a vu le jour depuis 2016. Mais je ne dis pas que le Parlement debout a existé depuis 2016. Non, c'est depuis 1993 que le phénomène Parlement debout existe. Mais chacun travaillait en autonomie. Il n'y avait pas, je dirais, une vraie synergie. Et cela ne permettrait pas, n'est-ce pas, ne permettait pas plutôt aux combattants de pouvoir bénéficier d'un esprit commun et aussi des bénéfices communs. Mais c'est grâce au collectif des parlements debout qu'aujourd'hui, les parlementaires debout peuvent être aussi reconnus, peuvent être aussi écoutés et pourquoi pas aussi bénéficier certains avantages. Il ne peut se vivre. Vivant. Le Parlement debout. Le Parlement debout. Le Parlement debout. Merci beaucoup. Nous voulons procéder maintenant à l'installation. Vu le temps et vu aussi les nombres de nos camarades qui sont dans le comité et vu aussi l'emplacement, nous ne serons pas appelés tout le monde pour le présenter ici. Mais nous allons juste présenter symboliquement une équipe de 5 personnes. Ne maintenez pas rigueur. Il ne peut se vivre. Vivant. Le Parlement debout, rien que lui de peste. Nous invitons ici, présent, le président Popol Bolombo Isalo Kembia. Nous appelons le premier vice-président Kassim Mwimila Bajana. Voilà, il est là. Nous invitons le deuxième vice-président Peter Moke Maluti. Nous invitons le secrétaire rapporteur Henri Rigobert Bopé Pouk. Henri Rigobert. Merci. Nous invitons le secrétaire rapporteur adjoint Lili Toumba Luamba. Nous appelons le trésorier Dominique Ikala. Dominique Ikala. Ok, merci beaucoup. Nous avons, vous qui êtes là, vous allez très bien nous suivre ou nous écouter. Le chargé de communication Gaston Kanumbebi, chargé de mobilisation Dems Mutombo Mukaya, chargé de relations extérieures Pacha Maïka Kabongo, chargé de discipline et sécurité Eugène Kassoua, chargé d'orientation et protocole Bobo Mayemba, chargé des infrastructures et logistiques premier conseil formateur Diebo Tofé. Ah, il y a aussi les conseillers, je vois ici le premier conseil. J'aimerais voir d'abord le premier conseil là pour lancer ma rambouille Simba et ne trouver ta film. Le premier conseiller principal, voilà, il est là, Robert Lelongoma.
Ah, je vois quand même, c'est un vieux, hein? Il y a de l'expérience, hein? Il est le président cellulaire, hein? Très enchanté, merci beaucoup. Et le deuxième conseiller principal, José Paka Paka, il est là aussi? Le président cellulaire aussi, ok, très bien. Merci beaucoup. Alors le reste, nous avons le conseiller juridique, j'aimerais le voir aussi, le conseiller juridique, il est où? Il est absent. Conseiller politique, Boniface Kapanga, malade. Conseiller social, Modeste. Le conseiller politique est là. Le conseiller politique est là. Ok, Boniface Kapanga. Conseiller social, Modeste, Balabébé. Nous avons... Ok, je pense que c'est fini. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce comité? Une chose... Que être cadre ou chef n'est pas un privilège, mais c'est une charge. Vous acceptez aujourd'hui, chers camarades, de porter le fardeau du Parlement debout. Mongo. Oui. Oui, en moi, Andamou. Oui. Vous acceptez aujourd'hui de travailler, de ne travailler rien que pour l'intérêt général des combattants qui sont ici présents? Oui. Vous prenez l'engagement ferme de ne pas trahir l'idéologie de Parlement debout? Oui. À chaque fois qu'il y aura besoin de vous, serez-vous prêt à y répondre? Oui. Acceptez-vous de travailler pour ne pas compromettre la vie politique de l'IDPS? Oui. Est-ce qu'on peut les applaudir? Oui. Conformément à l'idéologie du collectif des Parlements debout, considérant l'article 50 du statut de l'UDPS, qui donne le pouvoir aux mouvements différents de s'associer au sein de la structure appelée la Ligue de Jeunes, et à ma qualité aujourd'hui du secrétaire exécutif national, le chef du département de la sensibilisation, recrutement et conscientisation au sein de l'UDPS, mais aussi à ma deuxième qualité du secrétaire général du collectif des Parlements debout, me conféra ainsi le pouvoir d'installer, d'implanter, de certifier et d'engager. Je déclare au nom de Félix Antoine Tshisekedi, au nom du président A.I. Jean-Marc Aboun Akaboun, au nom du secrétaire général de l'IDPS Augustin Kabouya, au nom du coordonnateur du collectif de Parlement debout Dieudonné Mounouma, je déclare ainsi installer officiellement le Parlement de Boumatete Mongo. Nous vous donnons le pouvoir de travailler à partir d'aujourd'hui, pas en électron libre, mais en reconnaissance d'une appartenance quelconque. La première appartenance, c'est l'UDPS. La deuxième appartenance, c'est le collectif du Parlement debout. Ainsi, le Parlement Mongo étant installé, j'ai dit et je vous remercie. Félicitations, président. Et
Teshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Teshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Sakumbi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie. Suspension des fonctionnaires peu intègres, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs. Le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus. Lambert Mende Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement de l'essu. Thomas Luaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Teshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanqui et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Teshima dans les kiosques. Teshima Magazine, un nouveau standard d'information.